Eh bien, salut toutes et tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 30e épisode de notre incroyable aventure sur Sons of the Forest, la saison 2. Très content de vous retrouver parce que cet épisode va être incroyable, comme le suivant, mais un petit peu mieux quand même, je le sens. J'ai fait des trucs en off, je suis trop content, je vais vous montrer. Les projecteurs, visiblement, ont été patch par rapport au dernier épisode, c'est-à-dire que maintenant, ils éclairent vraiment bien. Donc, j'avais même pas besoin de le mettre en hauteur, comme vous me l'aviez dit. Donc, je l'ai pas bougé, je vous montrerai quand il fera nuit. C'est formidable. En revanche, oui, j'en ai rajouté d'autres un petit peu plus en hauteur. Vous allez le voir par la suite et c'est une régalade. Alors, en ce qui concerne la serre, du coup, bah, elle bouge pas. Vous étiez tous d'accord pour qu'on laisse la serre comme elle est. Donc, ça fait plaisir. Je vous en remercie. Je laisse pour le moment l'aloe vera parce que ça dépop pas. Donc, je préfère laisser tant que c'est safe ici, d'accord, parce que j'ai pas besoin de les récupérer pour le moment. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Donc j'ai mis un projecteur ici qui éclaire là-bas. Et vraiment, vous allez voir la nuit, c'est formidable. J'en ai mis un là ici pour un petit peu éclairer ici. Vraiment, c'est formidable. Je vous le dis, c'est formidable. Mais alors attendez, ce qui est formidable, bah déjà c'est vous. Voilà, donc rien que pour vous, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, le like, c'est pour vous. Et puis, je vais vous montrer en haut. Ouais, je suis fort, hein. Ouais, je sais. Je vais vous montrer en haut. Bon, il y a des nouveaux arbres qui ont poussé. C'est pas encore la folie, hein. Il faut dormir à chaque fois pour faire pousser des arbres. Et là, on est au jour 70. Voilà, c'est vraiment emblématique, les gars. Jour 70. Alors, j'ai fait du ménage. J'ai enlevé des pièges, etc. J'en ai déplacé et j'ai commencé à construire quelque chose. Voilà, c'est déjà plutôt pas mal, ça commence bien. Parce que vous m'aviez dit, hein, directement, je m'en souviens très bien par rapport à ce temple ici, si je peux appeler ça temple, que bah voilà, vous m'aviez dit d'enlever les pièges qui sont autour parce que ça fait... Bah ça fait moche, hein. Puis de toute façon c'est clair que c'était juste temporaire, donc j'ai enlevé les pièges. J'ai fait des petits chemins avec les bouts de bois, ça permet de dégager et de commencer à créer des petites allées. Et donc ça m'a permis aussi de me projeter et de réfléchir un petit peu à quoi je voudrais que ça ressemble maintenant. Donc regardez, bon c'est chiant ces pierres qui sont sur le chemin. Donc j'ai fait un petit chemin comme ça. Je sais que là, je vais vouloir mettre une porte. Enfin, du coup, la porte est déjà mise. Il y aura là, normalement, je dis bien normalement, des arbres qui vont pousser de part et d'autre. D'accord. J'ai mis, donc... Ah, bah, le piège a dû fonctionner. Je ne sais pas à quel moment, mais voilà, donc... Ah oui, mais... Mais mes pièges, ils ont été actionnés par qui, là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, voilà, donc il y a un piège ici, il y a un piège ici. Ah, mais ils ont tous été actionnés, par contre. Je sais pas qui est le responsable, mais alors, tous les pièges... Bon, enfin, vous avez compris, voilà, il y a tout plein de pièges. Quelqu'un s'est amusé, apparemment. The fuck? Ok, je me dis pas que celui-là aussi. Mais non. Je l'ai même pas vu en action, les gars. Pourquoi y'a... Attendez. Oh! Pourquoi y'a mon monocycle qui est ici? Oh, attendez, je me fais une petite idée. Attends, ça a pas été actionné. Oh là là, les gars. Eh, je me fais une idée. Alors, le monocycle, qu'est-ce qu'il fait là? Il a rien à faire là. Et je soupçonne que ce soit le monocycle qui a activé tous les pièges. C'est possible ou pas? Je dis peut-être des bêtises. Écoutez, les gars. Mais non. Oh, mais oui, c'est ça. Mais c'est tout à fait ça. J'en ai deux. C'est tout à fait ça. Les gars, regardez. Je vais vous montrer un truc de ouf. J'ai compris, vous voyez cette valise? On est d'accord que cette valise, elle avait toujours été là. On est d'accord, hein? Et regardez là, la valise là, elle est retournée là. Cette valise elle est retournée. Et il y a l'arbre qui a pop dans la valise. Et ben les amis, je crois que quand les arbres repoussent, je suis mort de rire. Je crois que quand les arbres repoussent, ça valdingue les objets en travers, d'accord? Donc tout simplement, bah, la valise orange là-bas, elle a jarté, tu vois. Alors c'est pas méchant, elle a jarté juste ici, tu vois. Mais je pense du coup que là, il y avait un cyclomoteur. Donc à chaque fois, il y a le cyclomoteur qui apparaît là. Ah ouais, non, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça va le faire. Il y a un cyclomoteur qui apparaît là. Il a dû voler. Et ça a activé tous les pièges. Oh, attendez, je suis trop curieux. Attendez. Je fais une sauvegarde. Je suis désolé, c'est la première fois que je fais ça en vidéo. Je vais quitter, on va faire un truc ensemble. Je fais jamais ça durant ce let's play. Mais écoutez, c'est le 30e épisode, c'est le jour 70, on se fait des petits plaisirs. Mais j'aimerais juste voir ce qui va se passer là. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais relancer. Que je vais spawn du coup au niveau de la tente. Donc on va voir s'il y a un cyclomoteur qui va apparaître. Enfin, si le monocycle va apparaître et si ça va voler. Attendez, c'est un truc de ouf. Je suis sûr que c'est ça. Je suis prêt à mettre ma main à couper. Non. Non, bah non. Y'a rien qui s'est passé.
Bon, enfin, tu me diras, bah oui. C'est quand il y a un arbre qui pousse. Ah purée, non, c'est quand. Mais oui, c'est quand l'arbre pousse au final. Donc c'est quand on passe la nuit. Oh, d'accord, ok. Alors, il faudra voir pour refaire l'expérience et dormir ici. Faudra qu'on dorme ici et qu'on voit le lendemain s'il y a quelque chose qui dégage. Parce que vous l'avez compris, en fait, quand tu passes la nuit là, je vais pas le faire, mais quand tu passes la nuit là, eh ben il y a les arbres qui popent d'un coup. Hein. On va pas se mentir, c'est un jeu vidéo. Hein. Ça pousse pas. Wesh, ça m'a fait peur. Ça pousse pas, voilà. Et du coup. En plus c'est full buggé, regardez. C'est full buggé. Le machin il est full buggé. Bon bref, ah oui une grenade, merci. Bon vous avez compris ce qui s'est passé. Par contre j'ai deux monocycles et ça me paraît ouf. Ça me paraît ouf. Et pourquoi j'ai pas deux deltaplanes du coup? Il y a peut-être eu un changement d'ailleurs, ouais. Parce qu'avant il y avait toujours un deltaplane j'avais mon deltaplane à moi pour venir ici. Et il y avait un deuxième deltaplane qui était de base ici. Bah, peut-être que maintenant du coup c'est le fameux monocycle, je sais pas. Bon écoutez, il se passe des choses bizarres. Mais je me suis renseigné d'ailleurs et puis vous m'avez dit en commentaire, merci hein. En vrai tous les plans dans les petits villages là qu'on avait vu dans le dernier épisode, j'ai rien loupé, c'était parfait. Maintenant il faut que j'aille dans les glaciers. Et apparemment il y a des nouveautés de ouf dans les glaciers par contre, enfin dans la neige tout court. Donc ça c'est j'ai trop hâte de voir. Et donc j'ai rien loupé dans les villages là-bas, donc ça fait trop plaisir. Et du coup il y a des nouveautés sur la map. Donc peut-être que maintenant ils ont mis donc un monocycle à la place du deltaplane. C'est pas impossible, enfin bon bref. Alors là qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est évidemment pas fini, c'est à peine le début. Mais vous l'aurez peut-être compris, c'est le fameux garage évidemment qu'on attendait depuis tout ce temps. Donc j'ai envie de faire un mélange parce que à la fois c'est la tour de guet qui nous permet donc de nous raccorder à ma base en bas. De l'autre côté ce sera donc un garage ici. Donc je vais faire une rampe et tout pour que ce soit accessible pour un golf. Donc il y aura des pentes tout bien comme il faut. Et en même temps ce sera une rampe de lancement. Alors c'est pas fini j'aimerais en faire une rampe de lancement. Enfin c'est dans l'idée hein. Ça a pas pour vocation d'être haut et d'être long. Ça sert à rien. Mais voilà vous avez compris. Parce que, de toute façon vous avez compris qu'on peut décoller de là. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire juste après ou maintenant d'ailleurs. En fait je sais pas parce qu'il est 13h10 d'un autre côté vous savez quoi, j'ai envie de forcer et de passer la nuit. En fait bah non, on est même pas encore en automne. Attendez, non, parce que je suis en train de penser à un truc en parallèle. On n'est pas encore en automne. Donc ça va. Mais bon, ça va quand même pas tarder. Bon, bref, c'est pas grave. Mais l'hiver va quand même arriver assez vite. Ah. Bonjour à vous. Ah oui, alors le fusil à pompe, du coup, que je me suis fait arnaquer. J'ai enlevé les accessoires, du coup, comme vous me l'aviez suggéré. Donc je vous en remercie. Donc j'en ai profité pour mettre le laser sur le pistolet, du coup. Voilà, donc c'était notamment un des accessoires qui était dessus. Alors j'ai eu fumé sa race lui. Voilà, il m'a vraiment victimisé bolos. Ouais, là j'ai pris quand même beaucoup de dégâts mais j'ai voulu faire le beau gosse. Avec mon katana là. Et là je suis en train de me faire... je suis en train de me faire goumer là. Là le problème c'est que j'ai l'habitude de call off. Donc j'ai pas les bons moves. Terrible, terrible, j'ai des mauvais réflexes. Oh mon dieu. Bref, allez, ça c'est fait, c'est pesé, c'est remballé. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rapidement se préparer pour être sûr qu'on a tout ce qu'il nous faut pour notre expédition. Parce que là, on va partir en escapade romantique, les amis. Et puis voilà, tout simplement, voilà. Alors oui, le but, donc, vous l'avez compris, c'est qu'au fur et à mesure, les arbres vont pousser. Donc ça va faire une sorte de muraille, je mettrai des pièges ici et là, hein, voilà. Là, pour le moment, tout le monde peut rentrer, c'est open bar encore. Hein. donc voilà. Alors, attendez, bougez pas, j'ai sur moi deux sodas, j'ai toujours de l'eau, attendez, des bourses en cuir, c'est vrai, parce que je me suis fait victime bolos en off également, donc voilà, hein, c'est pour vous dire, ça régale. Et ben voilà, on a encore des boissons, des médicaments, impeccable, des huîtres, bon on s'en fout, mais c'est bon les huîtres, oh là là. Voilà, ça régale. Donc trois sodas, de l'eau, j'ai un croquant, des conserves, ça suffira, même si c'est de la nourriture pour chat, c'est très très bon. Enfin je suggère que c'est de la nourriture pour chat. Barre énergétique, non en vrai on a ce qu'il faut pour notre expédition. On a juste pas de vêtements chauds normalement mais c'est pas bien grave. Suite à capuche, veste en cuir. Et si on mettait la... Ah non on peut pas... Ah si on peut la porter. Hop la veste en cuir. Peut-être que j'aurai moins froid. Je sais pas du tout. Bonsoir. Et attendez parce que je crois que j'ai de la viande. Ah non j'avais déjà mangé trop tard. Bon bah j'ai rien dit. Bon bref c'est pas grave. Je vais quand même, je vais quand même redescendre parce que... Bah parce que je veux manger un truc d'ici et boire de l'eau d'ici. Histoire qu'on soit bien. Bah d'ailleurs bah soyons malins mais... Soyons malins, regardez. Je vais prendre la gourde. Je vais la remplir. Voilà mais soyons malins, oui. Si déjà je suis là mais... Bref.
Je sais pas où c'est que j'avais la tête. Hein. Voilà, bon, la casserole, on s'en fout. On va boire à la source. Ça régale. Et puis, on va manger... des sushis. Voilà, c'est toujours sympa, les sushis. Allez, les amis, n'oubliez pas le like, parce que vraiment, ça va être incroyable. Je le sens, cet épisode va être incroyable. J'ai pas voulu trop me spoil, mais je sais... qu'il y a des nouveautés dans... Alors pas que dans les glaciers, mais il y a des nouveautés également donc dans les décors. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'attendais. Parce que ajouter des nouvelles grottes, c'est bien. Mais ajouter des nouvelles structures, c'est mieux. Et c'est le cas. Donc voilà. Après, c'est sûr que ça aurait été mieux que ce soit là dès le début. Mais bon, bref. Au moins, ça rajoute du contenu au jeu. Allez, c'est parti les amis. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va décoller un maximum. On va aller le plus haut possible. On va essayer de se rendre... dans un premier temps dans les premières grottes glaciaires, parce que je sais pas précisément c'est lesquelles qu'il faut aller. Donc on va essayer un petit peu de toutes se les faire. Je parle bien des grottes glaciaires bien évidemment, même si mon défi également c'est de toutes me les faire. Les grottes glaciaires toujours, évidemment, c'est l'objectif principal. Donc voilà, 30e épisode, ça régale. 70e jour, c'est quand même phénoménal, je trouve ça complètement ouf. Et voilà, ça régale. Rien de plus à dire, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Par contre je sais plus où c'est qu'il y a des glaciers moi. Bah j'en ai déjà un en vue là. Ok ouais, j'en ai déjà un qui arrive. Mais à mon avis ce sera déjà pas là la nouveauté. Mais on va y aller, on sait jamais. On sait jamais, commençons par le début hein. Après voilà, je crois qu'il y a 3-4 grottes glaciaires hein. Il n'y en a pas non plus énormément hein. Et comme dit, oui, grottes glaciaires. Mais c'est vraiment des glaciers pour le coup, c'est même pas des grottes. Donc chill. Chill, chill, chill. On sera toujours à la lumière, vous inquiétez pas. Attendez, je vais quand même tenter de continuer avec le deltaplane si déjà... Hop. La technique de Mkolo, ça régale. Bon, on y arrivera ou... Si, on devrait y arriver. On devrait y arriver. Je vais terminer à pied, je pense. Ouais, ça me semble pas mal. Non, c'est un petit peu trop encore à mon goût. Excusez-moi, hein. Je flex. Moi, je fais du flight simulator professionnel. Oh, j'entends des cannibales en bas. Phénoménal. Bon, ça me saoule, j'arrive pas à monter. J'arrive pas à monter aussi haut que je veux. Alors, ce qui va se passer, c'est très simple. De toute façon, j'ai compris qu'on va avoir froid aujourd'hui, donc on va se poser ici. On récupère bien évidemment le Delta Ploon. Et on va monter. De toute façon, vous le savez, c'est absolument cheaté puisqu'on peut. Enfin, c'est tellement rapide. Cette marche dans la neige, dans cette montée, c'est tellement bien fait. Et heureusement d'ailleurs, parce que qu'est-ce que ça me ferait chier si on pouvait pas monter ces collines. Soyons honnêtes. Bon, on va voir du coup s'il y a de la nouveauté ici ou pas. S'il y en a pas, comme dit, c'est pas bien grave. On ira voir les autres. Hop là. Et on va bien ouvrir l'œil parce qu'il peut y avoir des petites nouveautés à la con, mais... Tu vois ce que je veux dire? En vrai, voilà, il y a des trucs qui auront pu être rajoutés, on sait jamais. Un petit billet de banque, ça fait toujours plaisir. Ah attendez, les crafts de flèches aussi. Juste un truc, parce que en fait dans le dernier épisode je me suis amusé, j'ai fait les flèches enflammées. Les flèches enflammées pardon. Si je dis pas de bêtises. Oui, ils sont juste là, flèche, feu. Mais regardez, je vais prendre des fibres carbone. Si tu mets circuit imprimé et des piles, eh ben il m'en faut deux, j'ai pas assez. Eh ben ça fera feu. Quoi? Ah voilà, choc flèche en fibre de carbone. Je vais pouvoir faire des flèches électriques. Je peux aussi faire des flèches explosives. Bon bref, il me faut des piles, hein, vous voyez. Le seul truc qui me manque, c'est des piles à chaque fois. Voilà, donc ça c'est un petit peu con. Donc si on pourrait trouver des piles également, c'est toujours pas mal. Ok, le deltaplane est là-bas. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais perdu. Oh, mais moi je perds la tête. Hein. C'est complètement dingue. Alors, voyons voir ce glacier. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ouais, à mon avis, il n'y a rien de nouveau du tout là. Oh bah voilà. Ah bah non, je crois que c'était des piles. Alors attends, parce que là il y a une conserve. Alors soyons malins, on va ouvrir celle, une qu'on a, on va la manger. Et comme ça on va pouvoir récupérer une conserve. Voilà, c'est, je suis malin, mais ouais. Malinx le chat. Et oui, c'est un aliment pour chat, ça tombe bien. Et c'est très nourrissant hein. Moi j'ai connu une personne qui mangeait de la nourriture pour chat. Eh? Wesh. Non attendez, par contre ça je suis pas du tout au courant de ce qui va nous attendre par contre. Ok, donc ok. MDR. Alors soit c'est là depuis toujours, mais ça m'étonnerait. Et du coup bah j'ai jamais vu. Ou soit donc c'est bel et bien une nouveauté. Mais moi j'étais pas prêt à ça moi. Oh non. Alors
Ah c'est bon, tout va bien. On a une bâche. Ok. Bonjour, il fait froid. Eh ben on a une note. Ok. Oh là. Alors qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? On dirait mes deux testicules en fait hein. Non on dirait quoi? Je sais même pas ce qu'on dirait. Alors heureusement on va pouvoir retrouver cette note maintenant dans notre inventaire. Ça fait plaisir. Faudra voir ça à la lumière du jour. Mais on dirait plein de trucs. On dirait plein de trucs. Mais à mon avis il y a pas que ça. Encore une bâche. Et encore une conserve. Bon, je suis pas non plus un mendiant à ce point là, donc je vais pas faire ma technique un million de fois. Et si, 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 je vais faire ma technique parce que mine de rien, vous avez vu ma nourriture. Donc voilà, on n'est pas... Voilà. Y a pas les restos du cœur ici, hein, sur cette île, hein. Donc il faut qu'on se débrouille, hein. Faut qu'on se débrouille. Hop là. Eh, ça régale, franchement ça régale. Impeccable. D'ailleurs, petite parenthèse, je le rappelle, hein, parce qu'il y en a qui disent, ouais, à la fin du jeu, tu peux terminer le jeu, mon pote, t'inquiète, tu peux rester sur l'île à la fin. Alors les gars, c'est une saison 2. Donc je le sais déjà. Et justement c'est fait exprès que je ne termine pas le jeu maintenant. Parce que déjà de 1, les cinématiques vont probablement changer. Il y a plein de trucs qui vont changer à la fin du jeu entre temps. Et de, donc justement deuxièmement, le problème c'est que si on finit le jeu, donc à partir du moment où il y a le générique de fin, enfin même s'il n'y a pas le générique de fin quand on quitte pas, mais à partir du moment où on termine le jeu, pour moi il n'y a plus aucun intérêt à continuer juste pour dire qu'on reste et pour tester les nouveautés. Je trouve ça nul. Parce que là au moins ça, tu vois, l'aventure elle a un intérêt. Parce qu'on n'a pas fini. Voilà. En fait si on finit le jeu, si on fait tout le truc tout à la fin là, même si je sais même pas qu'est-ce qui m'attend parce que ça a changé, bah si on termine après j'aurais plus envie de... Moi j'aurais envie de rentrer en fait, j'aurais pas envie de continuer ma maison. Tout simplement, j'aurais pas envie de continuer tout ce qu'on fait. Et alors du coup ça laissera place à une saison 3. Alors, il y en a qui seraient peut-être contents d'une saison 3 hein. Mais là c'est un petit peu précoce quoi. Merde, c'est un petit peu précoce. Alors je sais que je suis un peu précoce mais quand même. Hein, quoi? Ouais, y'a quelqu'un qui a rejoint le vocal Discord là, il a dit une dingue. Je sais pas si vous l'avez entendu, je crois que c'était live. Bref, allez, on va décoller. Oh, heureusement, hein. Le soleil se couche déjà. Alors ça, c'est... Bon, bah, c'est... On dormira sur place, hein, tant pis, hein. Tant pis, les gars, on verra pas les arbres pousser. Mais on verra certainement les dégâts à l'arrivée. Alors, il faut qu'on trouve... Ok, il y a... Alors, vous voyez l'étang d'eau à gauche gelé, voilà, à gauche. Apparemment, il y a de la nouveauté là-bas. Mais on va d'abord aller au glacier au plus loin, là-bas. On a un glacier au plus loin, là-bas, donc on va y aller. On va peut-être même dormir dedans, on verra. C'est beau la neige. En vrai c'est beau la neige. Mais c'est bien quand elle est en haut en montagne et pas quand elle est en bas chez nous. Je pense qu'on est tous d'accord. Ça régale. Non mais j'aime vraiment bien ce jeu. Je suis tellement déçu qu'il a été mal accueilli. Alors là mon pote, comment te dire, je ne vois rien du tout. Ah oui c'est là, c'est vrai, à chaque fois je fais le tour pour rien mais... Normalement c'est juste ici. Hop. Ouais, c'est ça, c'est ici. Ok, ça c'était d'ailleurs le tout premier glacier que j'avais découvert. Alors je vais laisser ça là, on va voir s'il n'y a pas de la nouveauté, sait-on jamais. Fusée éclairante. Y a pas de nouveauté. Ah putain, je suis full en panneau solaire. J'aurais dû poser. Je suis trop bête, tu vois, quand je fais ce genre de truc. J'aurais dû poser les panneaux solaires chez moi. Comme ça, j'aurais gratté encore plein de panneaux solaires. Voilà. Chaque fois, j'y pense pas. Parce que j'oublie qu'en escapade, on peut trouver des trucs intéressants, quoi. Bon. Allez, voyons voir. Là, je pense donc qu'il y a aussi de la nouveauté. Ouais, ça a été étendu. Avant, ça descendait pas. Du tissu, très bien. Ouais, avant, ça descendait pas. Ah oui, bien. Bon, c'est pas non plus agrandi, c'est juste maintenant creusé, quoi. Ok. Ah, on a de la corde. Ah oui, c'est vrai que la corde, on a toujours ce qu'il faut. Des conserves. Mais tu sais que ces endroits-là, c'est parfait pour faire des bases, parce que j'ai jamais vu de cannibale rentrer. Et on n'a pas froid ici, en vrai. Y a pas de... Enfin, d'ailleurs, c'est mal fait, pourquoi on n'a pas froid? Ah, c'est peut-être ma veste en cuir. Mais, en tout cas, on gèle pas, quoi. Alors que pourtant, logiquement... Enfin bref. Et on a débloqué un nouveau plan. Qui est certainement un piège, vu les piquets que je vois. On l'embrasse d'ailleurs, Gérard. Gérard piqué, bien évidemment. Alors ce qu'on va faire, regardez, vu qu'il y a pas mal de conserves, on va en ouvrir plusieurs. Comme ça, c'est pas grave si ça pourrit, mais normalement, il n'y a pas de raison. Voilà.
Je vais manger, hein, voilà, parce que j'ai un petit peu faim. Voilà. On va les ouvrir, on va récupérer les autres, on va dodo et on va continuer nos aventures. Voilà, tout simplement. Parce que ça régale, voilà. Ah, c'est vrai que quand t'enchaînes, ça va plus vite. Ça, c'est vraiment bien, ça. Alors, je continue, juste j'en profite parce que comme c'est rapide. Voilà, parfait. Donc là, comme ça, je vais pouvoir ramasser. Et de une, et de deux. Et 3, 4. Voilà, tu vois, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà, donc il est quelle heure? 17h. Est-ce que ça vaut le coup de dormir? Ça vaut le coup toujours de dormir. On va se mettre là, c'est parfait. On va mettre notre petite bâche. Si c'est possible. Ah, je me suis un petit peu enflammé, je crois. Ah ah! Ah ah! Eh bien, salut à tous les amis. On peut pas se poser. Ouais, bah, je me suis fait un petit peu arnaquer. Bah, c'est pas grave, on va dormir dans le froid dehors alors. Hein. Genre, on peut pas. Mais on pouvait avant. Non? Ou je déraille? Ah bah du coup, on peut pas faire de base alors. Ah. Oh, par contre, on a un coucher de soleil, mon pote. Oh, magnifique. Je peux poser ma vache? Oui. On a un coucher de soleil. Oh, attendez les amis, ça mérite une petite capture d'écran. Oh, bah ça y est, y a plus de lumière. Bon, allez, fuck. Va te faire foutre. J'ai pas de bâton. Voilà. J'ai pas de bâton. Donc bon, bah écoutez, on va aller se faire foutre. On va remonter près de mon delta plane. Ah ouais, mais y a pas de bâton. J'ai pas de bâton. C'est un plaisir. Oh purée, y a un bâton. Impossible de porter plus de bâtons. Mais il fout de ma gueule, j'ai des bâtons. Il me dit que j'ai pas de bâton, j'ai des bâtons. Comment se fait-ce? Ah, en fait, je pouvais pas avant. C'était juste la pente qui voulait pas. Tout simplement. D'accord. Allez, bah écoutez, c'est... Oh là là, c'est magnifique. Jesus Christ. Wow. What a feeling. Oh. Eh, je me suis fait peur tout seul. Bon, allez, on dort. Bonne nuit. Oh, il fait froid, hein. Eh non, vous avez soif. Pas de problème. Je vais boire dans ma casserole directement parce que je suis un dingo, moi. Oh, on entend le vent qui se lève. Incroyable. Voilà, je vais laisser ma tente ici, vous savez quoi? Et je vais sauvegarder. Et il y avait déjà des tentes ici. Ah oui, mais on peut pas l'utiliser pour sauvegarder. Ok, ça va, ça me rassure. Parce que je suis un petit peu con quand même. Voilà, une grotte glaciaire de fête. On regardera ce qu'on a débloqué plus tard, hein, vous inquiétez pas. Maintenant, il faut qu'on redécolle et qu'on recherche. Qu'on aille là-haut, là. Tout droit là-haut. Dans l'étang d'eau, là. Il y a un étang d'eau gelé apparemment, donc on va y aller. Et on va voir les nouveautés. Et il neige. Et ça, c'est chiant. Maintenant, il faut juste qu'on arrive à monter. Donc, on va faire ma technique. Mais normalement, ça devrait aller. Comme dit, il faut prendre notre temps. Il faut pas se précipiter à chaque fois. Il faut vraiment. S'il faut prendre 10 allers-retours, bah, il faut faire 10 allers-retours. Parce que des fois, tu as l'impression que tu redescends plus que tu montes. Mais c'est vraiment qu'une impression. Parce que regardez, messieurs, dames. On va déjà pouvoir passer la colline. Vous avez vu ça? Voilà, on s'en rend pas compte. Mais c'est très rapide. Voilà. Avec le lever de soleil. Le problème, c'est que comme là, il faut également monter. Ah, c'est chiant. Est-ce qu'on va y arriver comme ça? Je ne sais pas, on va essayer. On va tout faire pour. Ah, ça devrait aller. Eh, en bas, là, il y a des trucs en bas, là. Eh, hey, y a des trucs en bas. Y a des trucs en bas. Alors attendez, on va commencer par le haut. On va pas. Il faut qu'on revienne ici après. Hein. Y a des trucs en bas. Et ça, j'ai jamais vu. Alors, encore une fois, c'est peut-être que j'ai jamais vu, mais qu'il y avait déjà. Ou peut-être que c'est nouveau. Mais dans tous les cas, j'ai jamais vu. Donc on ira. On ira voir. Mais d'abord, ouais, on va vraiment aller là-bas. On commence par le plus haut. Hein, c'est quand même plus logique. Parce que sinon après il faut remonter et tout, c'est chiant. Là on est déjà, on a déjà une belle hauteur. Je vois rien du tout, hein. C'est magnifique mais c'est... Mais je crois qu'on y arrive. Je crois qu'on y arrive. Là je vais prendre une montagne, je vais rien comprendre. C'est à peu près ce qui m'attend, j'ai l'impression. Non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Je suis en train de perdre de l'altitude, mais t'inquiète, ça va le faire. Ok, j'y suis, y a l'eau en dessous. Ok,
Nous y est. Nous y est. Alors apparemment il y a de la nouveauté. Attends, la grotte elle est où là? La grotte elle est là-bas. Eh, ce soleil, mais c'est une dinguerie. Wesh, c'est une dinguerie. C'est quoi cette histoire? Ah oui, alors on va juste essayer de taper là. Hop là. Voilà, je m'en souviens. Oh! Et ben voilà, c'est la fameuse cabane. Enfin, c'est pas une fameuse cabane, mais c'est la cabane que j'ai cru voir, en tout cas dans les spoils. Voilà, c'est nouveau, il n'y avait pas de cabane avant et maintenant il y a une cabane, c'est formidable. Superbe, j'ai hâte de voir la cabane du pêcheur. Alors, la grotte glaciaire. Et par contre, ce soleil, mais c'est un bug ou. On avait déjà eu ça et tout, j'ai réglé mes paramètres graphiques, ça n'a rien à voir. Très bizarre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Je ne sais déjà plus. Ok. Mais en tout cas, on a une note dans laquelle il est écrit « The peace isn't here. This is the wrong cave. The others are resting below. » Donc la pièce n'est pas là. C'est pas la bonne cave. Mais je crois qu'on a déjà ta pièce. Donc tu vois, déjà, tu fermes ta gueule. Tu parles sur un meilleur ton déjà, d'accord? Alors, on a certainement un cimetière. Voilà, ça régale. Ça régale. Par contre, on peut descendre également. Bah, donc allons-y. Si tu m'as menti et qu'on trouve la pièce ici, je ne sais pas de quoi tu parles, mais. Oh merde. Non mais. Ah, mais il faut encore descendre là? Non. Mais moi, je voulais pas faire ça, moi. Hein. À la base. Non, c'est bon, ok, c'est safe. On a de la bâche, on a une batterie de golf, oui. Oh, une note. Ah oh, oui, on a bien fait. On a une une horloge. Ok. Bon, on découvrira tout ça, hein, les gars. Y a pas de problème. Dans cet épisode, on va tout voir. Une bâche. Très bien. Vous avez vu, je suis très matérialiste parce que j'arrête pas de dire une bâche, mais avant tout c'est un squelette quand même. C'est plein de cadavres à la base. Oh, une bible. J'arrive pas à lire. Fish in, d'accord. Original. Bon, et eh ben c'est superbe. Merci à vous. C'est par où la sortie? C'est par ici. Ça régale. Et eh, mine de rien, on en trouve des pièces. Des pièces, non pas des pièces du coup, mais des plans. Plutôt sympa. Plutôt sympa. Oui, là aussi, voilà. C'est une double corde. Ok, par contre moi j'ai hâte de voir la cabane de pêcheur et de voir ce que j'ai cru voir. Surtout après, en vrai de vrai. Parce que ça refait que le dégradé, Mohamed. Incroyable. Bon, par contre je vais mourir de froid, mais ne vous inquiétez pas, je me réchaufferai en temps et en heure. J'aurais pu me réchauffer dans la grotte, mais on se réchauffera dans la cabane, vous savez quoi. Je pense que c'est une bonne idée. On va se réchauffer dans la cabane. Ça régale. Ok. Hop. Voyons voir. Putain, mais ça c'est vraiment chouette. Et vous savez quoi, ça me fait penser au trailer, au tout début. Après je me trompe peut-être et que la cabane elle était déjà là peut-être. Hein. Moi j'ai l'impression qu'elle était jamais là cette cabane. Parce que c'est les mêmes que les villages abandonnés là. Mais ça me fait penser vraiment au trailer. Mais du coup c'est pas celui-là parce que de toute façon c'est les mêmes cabanes à chaque fois. Hein. Ils se sont pas cassés la tête. Justement ça me fait penser au trailer de lancement au tout début avant même qu'on sache comment ça allait se passer le jeu. Salut petit lapin, tu as froid? T'es congelé? Ah mais il est vraiment congelé le mec? Oh non le pauvre. Eh bichette. Ah non voilà c'est bon, okay. Ah j'hésitais à le tuer mais bon. Et bref voilà, ça m'a fait penser à ça. La cabane ici dans la neige Ah c'est marrant. Non non il y avait pas ça les gars. Il y avait pas ça, attendez regardez. Mais non, il n'y avait jamais ça. Jamais de la vie, il y a déjà eu ça. Ok, alors. J'aime bien prendre la corde à chaque fois alors que je sais que je suis full. Oh. Oh. Une bâche. Ok. Allez, on commence. Partout décapité. Batterie de golf, je suis full. Ah, oh là là, j'ai failli passer à côté. Oh, mais qu'est-ce que c'est que c'est, cette immonde. Alors, on dirait un éclair, un coup de foudre. On dirait un trou noir. Moi je pense que c'est la dimension parallèle. Hein. En gros, quand il y a... Oui, c'est des éclairs. Donc quand il y a des éclairs, c'est... ça fait venir la dimension parallèle, c'est ça? Globalement. Hein. C'est le mec qui a rien compris. Et l'autre dessin, du coup, juste attendez pendant que je suis en train de crever de froid. Comment je suis censé faire?
Ah ouais, non, mais là, si on doit tous se les taper, ouais, non, ouais, va te faire. Ça va pas être possible. On va juste se réchauffer, les amis, parce que là, du coup, on est au sec, MDR. Donc, on va pouvoir se faire un petit feu, MDR. Hop. Voilà, ça régale. Ça régale. Bon, on a une conserve ici. Ah oui, alors attendez, bougez pas. On mange. Eh mais je suis fan de la nourriture pour chat maintenant. Ah, je peux toujours pas ramasser la conserve, je suis con. Ok. Ah, je suis vraiment full. Bonjour monsieur, vous lisez la Bible face au mur. Mais tu vois, c'est bizarre, faut s'imaginer ça en fait. Faut s'imaginer avant que ça arrive là. Parce que là, c'était des gens avant en fait. Alors, c'est à dire que, bon, lui, tu vois, voilà, lui, on peut comprendre ce qui lui est arrivé. Mais lui, il s'est mis de lui-même contre un mur avec un fauteuil pour lire la Bible et il a mouru. C'est quand même dingue. Pourquoi on dirait une trappe là? Je ne sais pas. Plein de questions. Et je suis en train de faire fondre la neige là, premier degré? C'est trop bien fait ce jeu. Ah non, c'est quand je marche en fait. D'accord. Bah c'est super. C'est super, ça régale. C'est un plaisir. Mince, mon delta plane. Surveillé par le squelette. Ok. Alors, on a fait toutes les grottes. Bah oui, c'est bon, on a fait toutes les grottes. Du coup. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça, il y en a 3. Il y a 3 grottes gelées en fait. C'est ça. C'est pas non plus incroyable. Je venais de là-bas. Ouais, donc faut que je retourne vers là-bas. Pour voir ce que j'avais cru voir. Et évidemment, non mais là par contre c'est une dinguerie. Hein. C'est pour ça que j'aime pas l'hiver. Vous aimez bien hein, la neige, c'est joli et tout, mais on voit rien. C'est horrible. Alors je sais pas, du coup, dites-moi en commentaire si j'ai loupé encore des trucs ou pas. Maintenant vous avez le droit de me spoil, parce que de toute façon après il y aura le prochain patch encore par la suite, donc c'est maintenant quoi. N'hésitez pas à me dire si j'ai loupé quelque chose d'autre. Et si j'ai vraiment, vraiment bien checké tout ce qu'il y avait à voir. Attends, mais je viens vraiment de là-bas? Oui, oui, c'est ça. Mais moi je sais plus où c'est que c'était le... Parce que moi j'étais dans le ciel, moi. Putain, non, il faudrait que je remonte en fait. Bon. On va voir, je vais très certainement me perdre. Enfin bon, l'avantage c'est qu'on n'est jamais perdu. En fait, c'est ça ce qui est dommage aussi dans un sens, c'est qu'on connaît tellement bien le jeu maintenant, c'est que je peux pas me perdre, je sais où est ma base. Par contre, je sais pas où est le truc que je cherche. Alors, attends, on va essayer de voler. Voilà. Ce sera déjà ça de gagner. Oh purée, ça c'était chaud ça. Oh, je viens de te faire un décollage Flight Simulator. Ça régale. Ah, on voit mieux là. Ah bah c'est ici, bah c'est bon, mais c'est là. Ah ouais, bah c'est bien, bien en bas là. Non, c'est pas là. Oh si, c'est ça. Oh, on est bien mieux en bas quand même. Vas-y, on y va. C'est quoi? Je vois de la couleur et tout, c'est incroyable. Adieu. Et heureusement qu'il n'y a pas de dégâts. Wesh. Oh, j'ai eu trop peur. Il y a de la musique. Ok. Il y a des trucs gonflables, des bouées gonflables. Oh. Wesh. Quelle ambiance. Alors, par contre... Ils sont tous morts. Mais ils se sont pas décomposés. Ah si? Ah si 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 si. Non! Ils sont pas décomposés, ils se sont fait bouffer. Je pense. Ah mince, je voulais lire ce qui était écrit, mais maintenant j'ai mis de la neige dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de cette situation? Mais attendez, mais il y a un truc qui m'échappe là. Il y a de la neige. À quel moment ils vont se baigner dans l'eau froide là? Ils sont... Ah, ah oui, si, peut-être oui. Non, mais non, mais même, mais non, mais non. Ils sont torse nu, tout machin et tout. Avec sa bouée gonflable flamant rose. À quel moment? Après, l'eau, elle a l'air pure. C'était juste ça, là? Génial. Ah ouais, elle s'est fait croquer le crâne, regardez. Ou elle s'est fait fendre, genre comme ça. Merde. Ok. C'est génial. Attends, je peux aller dessus ou pas? Oh, dommage. Il y a peut-être une grotte, non? Non, l'eau elle est magnifique. Et j'adore. L'eau elle est magnifique. Bon bref. Ok. Bah voilà, bah on a vu ça. En vrai, je pense qu'on a pas forcément tout vu. Mais ça doit être...
Je pense que les derniers trucs restants que j'aurais pas vu, c'est des trucs similaires à ça. Mais ça permet voilà, de savoir pas mal de choses sur l'histoire, parce que mine de rien, bon, on le sait, c'est une île qui accueillait des riches. Enfin, en tout cas, c'est l'île, en tout cas, la propriété d'un riche, c'est surtout ça. Monsieur Puffton, Edward Puffton, si je dis pas de bêtises. Voilà, il avait ses employés sur l'île, il faisait du golf, il avait ses terrains de golf, etc. Par contre, il n'y a pas de cannibales ici. Eh, mais c'est un super spot, là. Juste qu'il y a de la neige. Mais à part ça, c'est un super spot, ici. Donc, ouais, en vrai, on sait que, voilà, c'était les vacances, ici. C'était la belle vie. Entre guillemets. Jusqu'à ce que ils ont fait des dingueries avec les dimensions parallèles, dont on ne saura encore pour le moment pas grand-chose. On a donc la fin du jeu là-bas. On va pas refaire la même vanne à chaque fois, mais... Par contre, là, vous avez, les arbres, ils sont oranges. Donc là, vraiment, c'est foutu pour nous. Foutu pour foutu. Bon, on va rentrer à la base. Hein. Ça sert à rien de refaire un tour, je sais pas quoi. Quel est le chemin le plus court? Je ne sais pas. Ah, c'est de passer pas de ce côté-là, ouais, bien sûr. Mais ouais, du coup, l'hiver va arriver, les amis. Par contre, on aura découvert plein de trucs. On aura vu, je pense, pas mal de nouveautés. Donc c'est vraiment cool. Donc on va aller voir maintenant les nouveaux plans qu'on a découverts. Voir un petit peu ce qu'on peut faire. Alors j'aurais aussi aimé durant cet épisode faire un peu de chasse pour faire le lit double. Nouveau plan qu'on a débloqué. Le lit double, il faut du gibier. Enfin non, il faut du cerf. J'aurais bien aimé, mais je pense qu'on va faire ça en hiver. Ce sera encore mieux. Voilà. Puis comme ça après, Virginia, elle pourra se poser avec moi hein, finalement dans le lit. Ça régale. Allez les amis, je vous retrouve à la base. A tout de suite. Par contre, moi, ce que j'adore quand on arrive de là, c'est qu'on a tellement de hauteur. En fait, on est carrément tout en haut de la map. Donc, bon, déjà, on va beaucoup plus vite. Mais surtout, bah, en fait, on est tellement haut par rapport à notre base. Je sais même pas où elle est. On n'y est pas encore. Non, là, c'est notre première base, là. Ouais, c'est notre première base, là-bas, où vous voyez à mon bras gauche, l'eau. Donc, ouais, je peux descendre tranquillement sans aucun problème. Je suis tellement haut. Là, on va arriver. Ah oui, notre maison, elle est un peu plus loin quand même. Je me suis un peu enflammé, mais normalement, j'ai... Voilà, voilà, c'est juste en face de nous. Là, on voit le terrain un petit peu sans arbre. Mais ça repousse quand même. Mais c'est juste ici, voilà. Donc, c'est vraiment cool d'avoir autant de hauteur. Allez, c'est parti. Ça régale. T'imagines, je me trompe, c'est pas là. Ah, si, c'est bon, c'est là. Je reconnais mon endroit. Alors, il y a des nouveaux arbres qui ont poussé ou... On dirait pas, ouais. Hop, on va mettre ça juste ici. S'il y a des nouveaux arbres, non, je sais pas. J'ai pas l'impression. Ah, si, il y a l'arbre qui a poussé à côté de la porte. Déjà, donc c'est déjà pas mal. J'ai pas de pièges qui ont été activés depuis, j'ai pas l'impression. Ferme la porte quand même, toi. Pas l'impression, très bien. Ok. Alors, voyons voir un petit peu tout ce qu'on a découvert. Alors, dans un premier temps, donc ouais, le lit double, je vous disais, ça faudra qu'on chasse dans le prochain épisode, sauf si on fait le prochain patch dans la prochaine vidéo. Bon, ça, c'est un truc effrayant, franchement, mais ça m'intéresse, mais pas du tout. Clairement, ça m'intéresse pas du tout. Donc, les pièges là, on les a vus. On n'a pas encore. Alors, moi, je sais pas ce que ça fait, ça, en fait, ce piège là, je ne sais pas encore ce qu'il fait. Par contre, là, du coup, on a un nouveau piège, donc c'est bien ça. Ok. En plus, je crois que j'ai tout ce qu'il faut, donc... Ok, je pense qu'il y a un fil de piège, donc du coup, regardez, on va faire ça comme as. Peut-être un petit peu con, en vrai. Ok. Ok, ah, il me faut du bois. Il me faut du bois. Ok. Eh ben, j'ai pas envie de couper mes arbres là, donc tu sais quoi? Tant pis. Je vais prendre dans mes réserves. Demi-bûche. Deux demi-bûches. Alors attends, je vais juste en prendre une. On va voir si c'est bien ça qu'il veut. Voilà, je vais prendre dans mes réserves, les gars. Je vais pas me casser le cul. Une, deux. Donc c'est pas ça. Il faut que je coupe en deux. Une, deux. C'est ça. Mais en fait, il me faut quand même ça. Quel enfer. Je viens de faire un gaspillage. Je m'en bats les couilles. Ça m'énerve. Allez, qu'on en finisse. Qu'on regarde ce piège, ce qu'il vaut. Hop là. Ok. Ok, ok, ok. Ok.
Et ça va lancer des lances tout simplement. Ni plus ni moins. Alors moi, vous avez vu, ça ne marche pas avec moi. Est-ce qu'il faut l'alimenter aussi? Je ne sais pas, je pense pas. Mais ça marche pas avec moi. C'est marrant, hein. Pourtant si je passe là en dessous. Ah non. En fait depuis toujours le piège ne marche pas avec le joueur. D'accord, ok, à chaque fois j'avais peur. Donc là. Ok, je peux passer sur mes pièges et tout. What the fuck. Mais c'est trop cheaté, quand est-ce qu'ils vont patcher ça? Ah mais du coup j'ai pas besoin de faire de porte d'entrée. Moi j'ai fait des portes d'entrée pour éviter de passer sur les pièges. Ok. À l'aise. Ouais, moi quand j'étais mort, souvenez-vous au début de l'aventure, c'était parce que j'avais sauté dessus. Ok, d'accord, donc ça, ça lance des lances, hein, j'imagine bien, et mais non. Oh, et tu peux les tirer manuellement. Oh, mais c'est insane, ça. Donc tu peux faire ça en mode piège, quand ils passent dedans, ils se la prennent. Et en même temps, tu peux faire un canon à partir de la base, tu peux faire un canon et tout, et oh là là, c'est trop stylé, ok. Trop yamba. Ensuite donc projecteur et ensuite ah donc ça c'est une sorte d'horloge alors en fait c'est vraiment une horloge. Moi je dis ça en mode ok bon on va voir ça à notre base. Et par contre je vais vous montrer la nuit les projecteurs comment ça rend trop bien. Vous inquiétez pas il est midi mais je vous ferai une coupure juste pour que vous voyez la nuit après, vous inquiétez pas. Et on se retrouve déjà avec un épisode quand même d'une heure, ça va vite en vrai hein. C'est terrible. Bah écoutez je vais mettre l'horloge haut mais attendez. Oh je peux pas enlever. Pourquoi? C'est une blague. Ah si. Enlève. Voilà, je vais la mettre là, c'est parfait. Bon par contre du coup le flambeau. C'est bien beau. On va le mettre là. Pour le moment. Bref, ouais, on peut mettre là l'horloge, ça peut être pas mal, une horloge extérieure. Ça monte vraiment l'heure. Ah! Mais c'est où midi? Ah oui d'accord. Merde. C'est quoi midi? Attends. Attends, non mais moi je sais pas faire ça. Hein. 10, 11, 12. Ok c'est bon, j'ai capté. 1, 2, 3, ok j'ai capté, c'est bon. C'est comme ça. Je suis tellement con. Ok. Bon, là, il me faut des bâtons. Ouf. Oh j'ai le seum. Oh j'ai le seum, j'en ai plus ici. C'est pas grave. Heureusement ça repousse du coup. Depuis que. En fait c'est bien d'avoir remis la régénération des arbres. Parce que du coup bah, ça fait tout repousser quoi. Ça fait tout repousser. Alors c'est bien parce qu'il y a tout qui tombe dans le ravin donc c'est vraiment très rentable. Oh putain quel enfer et moi je peux pas les ramasser. Ah c'est bon. Bâton, j'ai assez de bâtons ou pas? Non il m'en faut encore un. Il m'en faut encore un. Et ben voilà. Ça régale. Bon j'espère que j'ai ce qu'il faut. Ah non il faut encore un quart de bûche. Oh. Genre il faut un quart de bûche pour ça mais tu rigoles. Vous vous foutez de ma gueule. Eh ben, ça tombe bien, les amis, parce que finalement, j'ai pas fait de gâchis. Finalement, j'ai pas fait de gâchis. Puisque j'ai ce qu'il faut ici. Allez, on fait un petit jump. Oh, regardez. Eh, je suis un Yamakasi ou... Ça, c'est un quart de bûche. Un quart de bûche. Non, c'est ça, peut-être. Je sais pas si c'est ça ou ça. Oh! Bah, ça, c'est une bûche. Et ce que j'ai, c'est une demi-bûche. Ah donc un quart de bûche c'est du bois de chauffage. Finalement donc j'avais ce qu'il fallait en bas je crois. Bon on va voir. Si c'est pas ça par contre je vais péter mon crâne hein. Oh. Wesh. C'était pas ça. Voilà c'était pas ça. Un quart de demi-bûche. D'accord. C'est peut-être ça. Et je viens de comprendre que c'est pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que je suis débile. Un quart de bûche bah il faut déjà une bûche. Voilà hein. Chose que. Putain mais je suis un trou de balle. Et là vous le saviez les amis mais... Oh putain il y a du people. Oh il y a du people. Eh c'est quand il n'y a pas Virginia qu'il y a du monde, c'est incroyable. Moi je m'en fous, je fais mon Yamakasi. Hein. Rien à péter moi. Alors toi par contre... Je cherche même pas à me casser les couilles. Oh là il est en train de se mettre de l'alcool sur lui. Bon moi je vais laisser se débrouiller. Vous inquiétez pas, on s'en occupera après, il n'y a pas de problème. What? Ah j'ai cru qu'il est descendu. Oula. Fait peur quand même. Voilà. Bon. Et du coup. Oh. La lumière est déjà allumée. Comment ça se fait que la lumière est déjà allumée? Bah. Pourquoi la lumière est déjà allumée?
Oula. Monsieur, vous... Il faut un peu peur quand même. Donc c'est une horloge et c'est genre ça donne vraiment l'heure du coup. 13h. Oh. Ah oui, ça bouge, 13h45. Énorme. Ok. Trop bien. Ensuite, on a découvert quoi? Bah c'est tout. C'est tout et bon, les notes, mais on va pas s'amuser parce que malheureusement... c'est pas très clair. J'aime pas les bruits que j'entends là. Alors là j'ose pas monter par contre. Là par contre j'ose pas monter. C'est pour ça que... Oh. Mais c'est des démons ça. Ok, ça c'est des démons ça. Ça c'est des démons les amis, on est d'accord? Ah ouais, ils ont peur, regardez, ils ont peur. Mais du coup ma croix leur a rien fait alors. Ah ouais, c'est chaud. Bon, attendez, là par contre on rigole, Voilà, allez, hop. Oh, hé, hey, qu'est-ce qu'il fait dans ma base lui? Bon par contre j'ai des... Oh non. Oh non. Oh purée. Bon. Viens voir, attends, bouge pas. Je veux juste vérifier que c'est un démon. Bref. Bah, monsieur? Non, il s'en bat les couilles. Ah si, c'est ça, c'est un démon. Donc là les amis, vous avez vu, c'est un démon. Ça c'est la preuve que c'est un démon. Parce qu'il prend feu. Voilà, et il est même mort. Alors pourquoi? Pourquoi ma croix n'a pas fait effet? Voilà, meurt. C'est vraiment formidable. Ah! Wesh. Oh. Pourquoi du coup ma croix là elle fait pas effet? En fait c'est décoratif, c'est de la connerie quoi, ça marche pas. Je suis déçu. Je suis franchement déçu. Par contre les démons c'est trop cool parce que du coup ils font le ménage. Il y a plus d'indigènes, il y a plus de cannibales, il y a plus rien. Donc ça en vrai ça régale. Bon les amis, je vais vous montrer à quoi ça ressemble la nuit avec les projecteurs. Même si du coup c'est pas fini, j'ai pas mis un milliard de projecteurs encore pour le moment. Vous inquiétez pas, c'est normal. On n'est pas tous riches. Voilà, c'est pas Versailles ici. Je vous montre ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, maximum de likes. Je compte sur vous. Le petit commentaire qui fait plaisir. Faites pas les timides. Je sais qu'il y a une majorité de viewers silencieux. Faites pas les timides. Manifestez-vous, les copains, vous régalez. Merci d'être là. Et sur cette magnifique vue, je vous quitte. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.